Bonsoir, alors que nous sommes à 5 jours du mois de novembre, on aurait pu se croire en fin d'été aujourd'hui. Soleil et grande douceur presque partout, un soleil que l'on conservera ce dimanche si vous êtes en tout cas dans le sud, le centre et l'est du pays. Quelques grisailles localement dans les vallées, mais la nouveauté c'est cette nouvelle perturbation pluvieuse qui va s'installer des Pays de la Loire jusqu'à la Belgique. Elle s'enfoncera dans l'après-midi entre la Vendée et la Lorraine avec des pluies à caractère faible. Vous retrouverez le soleil entre la Manche et la Belgique et vous le garderez dans le sud-est avec un ciel très voilé de l'Aquitaine jusqu'à l'Alsace. Côté température pour ce dimanche matin, ce sera plutôt homogène entre 6 et 15 degrés et dans l'après-midi, ce sera totalement hétérogène cette fois-ci avec une véritable dégringolade des températures dans le nord du pays où on va perdre dans certaines régions 10 à 12 degrés par rapport à ce samedi. Seulement 8 petits degrés prévus à Alençon, 9 degrés à peine à Paris, mais ça restera quasiment printanier dans le sud avec 22 degrés pour la région Rhône-Alpes ou encore à Toulouse, 24 à Tarbes et 25 degrés dans le Pays Basque. Lundi, la perturbation se décalera du Poitou jusqu'à la Suisse avec des pluies à caractère faible. Dans le sud, un ciel souvent très voilé et davantage d'éclaircies pour les régions du nord où il fera très frais. On sera d'ailleurs assez proche des gelées au petit matin. Dans le sud, ça restera très doux avec encore 20 à 22 degrés. Mardi, on gardera les nuages de l'océan jusqu'aux Alpes, toujours à accompagné de quelques gouttes, des éclaircies pour la Méditerranée et un soleil généreux au nord de la Seine où il faudra se méfier d'un petit risque de gelée blanche en début de journée. Il fera également frais l'après-midi, mais toujours de la douceur prévue dans le midi avec 20 degrés pour Toulouse et 22 près de la Méditerranée. Mercredi et jeudi, deux journées qui vont marquer un temps calme et globalement lumineux, même si quelques pluies vont circuler mercredi des Alpes à la Corse ou encore près des Pyrénées. Attention, le matin, on aura quelques gelée, notamment dans le nord et le nord-est du pays. L'après-midi, la fraîcheur dominera au nord et les températures seront plus agréables dans le midi. Et puis pour vendredi et pour samedi, c'est une dégradation qui nous attend avec la reprise du courant océanique perturbé, plusieurs passages pluvieux à prévoir sur la plupart des régions, mais des températures qui vont également remonter et repasser légèrement au-dessus des normales. Ce soir, on se dirige du côté du nord de l'Auvergne. C'était ce matin avec ce beau soleil présent dès l'aube, un soleil accompagné de quelques brumes en tout début de journée, nous rappelant quand même qu'on est en automne, mais dans cette région, cet après-midi, il a fait 23 degrés. Demain, nous serons le dimanche 27 octobre. N'oubliez pas, c'est le passage à l'heure d'hiver, c'est-à-dire qu'à 3 heures, il sera 2 heures. On recule nos montres d'une heure et on gagne une heure de sommeil. Bonne soirée à tous, très bon dimanche et à demain.